De nouveau, il y a un plaisir pour accueillir pour bon nouvel sport. Bienvenue pour suivre. C'est encore volleyball qui démarre nouvelle aujourd'hui. L'équipe New Boys y connaît son troisième victoire contre l'équipe Beauvallon dans toute compétition sa saison. Justement, New Boys qui élimine Beauvallon dans compétition knockout la Coupe Fédération sa semaine. Match qui t'y décide dans 5-7 après que New Boys t'y zette la force de 7-0. New Boys t'y peut rencontrer Beauvallon pour une quatrième fois dans toute compétition sa saison. Dans sa match SBF Cup, bien sûr, tient l'autre sans knockout camarade. Tient rencontre entre un zen l'équipe contre un expérimenté et un bon champion Cécile le plaisir l'occasion sans doute nous peut cause Beauvallon. Le premier set, service t'y presque dit parfait pour Nio. Parce qu'ils ont été capables de faire compter. Ils ont de l'attaque qui passait de temps en temps, pareil, le laisser Leroy Elizabeth. Mais il y en a les temps contre Nio qui craquait défensivement avec une faute simple. Lors de l'attaque de Mien Chéri, Nio Boys qui remporte le premier set 25-17. Le deuxième set qui t'y suive contre New Boys, Beauvallon t'y mal passé après mettre score égal. Un petit tromperie d'Ani Laramé, il soulage sa l'équipe en zone. Ben laissé Spike Beauvallon souvent pas t'y cadré en de court et ça t'y de l'avantage Nio pour agrandir de l'avance. Nio t'y aussi profite bien le bon faute réception Beauvallon. Ici, Demian Chéri y pinisote avec une attaque rapide. Encouragé par autre bonne joueur remplaçant, New Boys qui aussi démontré une technique intelligente dans certaines situations. Pareil, les Malgas Rico et Job sont laissés. Score qui n'arrive 20-16. Ça l'est un bon point, rare au ballon qui vini un peu le bon bloc déflecté pour garder score prêt. Mais New Boys qui remporte deuxième set le bloc Jean-Paul Mély 25-22 pour prendre l'avance des 7-0. Troisième set définitivement depuis Bonnet même, Beauvallon t'y montré son envie pour emporter, même avec un grand rallye. Beauvallon t'y poussé pour faire sa différence. Les autres réceptions t'y pémasse très bien. Samuel Bijou t'y fait compter. Zotti nouvel écart 8-3 avant que New Boys t'y recoste sa score. Et même Vinégal 16-16. Mais t'y évident beaucoup faute de la part New Boys qui t'y coûte zotte serre. Le service Jean-Paul Mély dans troisième set, l'attaque chaîne Farabo qui gagne bloqué et déflecté en dehors. Beauvallon y donc remporte sa set 25-21 pour réduire cette score. NLOD. Après le quatrième set, score qui égale DD. Ici, Zoli Spy Corey Toussaint qui passe. Après les Beauvallon, qui nouvel écart, le bon faute Nio, qui retourne égal 8 points partout. N bon Zoli l'essaye, sa set qui part chez le Farabo, le backcourt. Nio li, qui voulait rester dans le jeu. Mais à un certain moment, quand quelque chose qui commence à mal, j'ai perdu un peu de visibilité, l'attaque l'a ramé, il comptait d'un coin court, et bonne faute service d'un net qui soulage Beauvallon pour progresser le score qui arrive 22-16. Les services Demian Chéri y passent en dehors. Beauvallon complète son comeback en portant 4e set 25-17 pour mettre cette score égal dès l'OD. Bonjour New Boys, c'est une presque dit fini avec la fatigue, mais tu parles dans réserve dans sa 5e set décisive devant Beauvallon. Là, suivant service Hank Panagari, tu joli setup Malgas Rico pour Chéri qui lit son spike qui passe. Nio tu prends l'avantage 6-3. Alors, ce Beauvallon tu aussi forcé pour regrouper avec un temps mort, position tu retournes l'entraîneur dans l'étambi avec son entourage. Tu prends encore joli l'attaque sorti contre sa zen équipe Nio. L'étant encore impliqué Tirico et Chéri la finition qui t'in tape d'un bloc Beauvallon. Après Spike Laramé, t'essaye garde Beauvallon dans sa match, mais autre type goutte défaite même pour une troisième fois sa saison. Guili Bijou pas capable d'arrêter sa boule. New Boys y remporte 5e set 15-10 pour faire victoire 3-7 le D. Présent New Boys y bouge d'un prochain round SVF Cup. Bien débrouillé, c'est moi qui dis après 3e set. Nous descendons un peu, peut-être la fatigue, peut-être mon temps de faire des changements. Beauvallon prend un moment, il prend 4e set, et après nous faisons la guerre avec les 5e set. Mais seulement, nous apprécions la combativité de Beauvallon, nous respectons à cause tout le monde en vie arrive loin dans la compétition. I guess the luckiest team won,
c'est le moment respecté qui m'a mal. Ça c'est maintenant besoin de repousser encore pour nous aller à finale samedi. Mais bon, assez satisfait avec ce match contre Bobano aujourd'hui. Pour notre résistance qui doit être mettre. L'équipe est encore en petit peu perdu le troisième et quatrième set. On a perdu comme si quoi qu'il n'arrive qui a organisé de l'avance des 7-0. Well, c'est quelque chose qui est changé. Troisième, quatrième set, moi, nous faisons beaucoup de fautes au service. Peut-être pas aujourd'hui même, l'équipe Rosen, la Coupe Experience aussi, le côté, les moments pour finir le game. Tout a été un peu compliqué à troisième set. Mais avec plus de travail, spécialement le service, il faudrait nous améliorer pour nous donner plus de performance. À cause de nos services qui, en la fin, nous capable peut-être perdre un set ou même peut-être game. Avec nous, besoin augmenter le salaire. Par exemple, cinquième set, nous service un peu plus bien. Nous gagnons assez facile. Moi, je pense que les New Boys sont volleyball qui jouent, ils facile pour contenir. Mais il faut nous parler pour nous conseiller et nous parler pour nous-mêmes locaux, nous faire nous intelligents, mais nous pouvons jouer. Mais ça m'a monté au bout de l'air, avant de finir faire des 7. Tout le monde dit au moins, laisse-moi faire des 7, pourquoi gagner un match? Actuellement, c'est comme ça qu'on finit quand on s'étudie, d'après une notion maximum, ça des 7 et au cas où on a une solution pour nous. Et c'est comme ça qu'on est arrivé, finalement, les gens sont 6 et maman, 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 du long. Nous avons travaillé ensemble comme l'équipe, nous avons donné des informations, nous avons exécuté. Finalement, nous avons monté sa décette. Et 5e, 7e, bargain, New Boy, il monte son premier 3 points, et qu'il y a l'élan pour lui démoraliser. Nous avons certains joueurs qui sont entrés dans la case, finalement, New Boy, il va en match. Félicitations. Et sinon, mais pour décrire, c'est son Bouvalon là, il finit pour Bouvalon. Ouais, nous finissons dans nos cas, mais c'est mon bout dit. Moi, je crois que nous passons bien, mais c'est moi qui fais quelque chose d'historique à cause. Comme ce moment-là, nous n'avons pas une équipe. Nous avons trois joueurs qui peuvent tailler partout pour le bon moment pour jouer. Et finalement, pour nous sortir deuxième et pour jouer à niveau volleyball qui est là, je crois que nous faisons bien. Et probablement, si nous restons comme une équipe là, next year, definitely, nous pourrons la force. C'est pas l'habitude. Et il y en a des matchs à la compétition à la Coupe Fédération qui nous est aujourd'hui. Dans la rencontre hommes, Saint Francis, il fait victoire 3-7-0 aux juniors. Et le côté femmes, c'est Sepal Volleyball Club qui nous aussi bat victoire sisters 3-7-0. Mon côté avec football, continue dans un mauvais départ pour sa sélection nationale en bas 15 ans qui peut participer dans la compétition Loufoua qui peut faire Maurice. Cécile, il perdit son premier match groupe A, le score 4-0. Contre pays organisateur Maurice. Bonne Mauricien, tu scores deux fois de sa moitié pour les autres ramassent tous les trois points. L'autre match Cécile, il expecte jouer demain contre les autres pour faire face contre Comore. Nous restons toujours avec le football, même continuant un match première division qui nous est aujourd'hui le stade Linité. Red Star Defense Forces, il fait son deuxième victoire à Ligue aujourd'hui, il bat Victoria City 8-0. Et demain, bon match première division et quotidien le stade Linité à partir 5h30 au Cap pour rencontrer en ce réunion. Et le stade Amitié Pralin, c'est Revengers qui pour faire face contre Foresters et sa match pour jouer à partir 4h30. Toujours concernant football, il y a 3 footballeurs, club d'Igua La Paz, qui ont quitté le pays hier pour Hamburg, l'Allemagne. Côté là-bas, je peux aller un camp d'entraînement des semaines avec le club VfL Le Bourge. Ça a 3 joueurs qui peuvent bénéficier avec un tel l'opportunité, et Achille Esther et les deux frères Zimo, Assad et Afendi Aboudou. Je peux gagner accompagné par l'entraîneur Bruno Sindana. Moi, j'espère qu'il y a un sixième qui est intéressé dans le nouvel sport aujourd'hui. Merci pour l'attention et garde au rendez-vous demain.